Très tôt ce matin, les populations de Faladje et environ en commune 6 du district de Bamako se sont réveillées avec des coups de feu. Il s'agissait d'une attaque terroriste qui a visé l'école de la gendarmerie. Dans un communiqué, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe l'opinion qu'à l'aube de ce mardi 17 septembre 2024, des points sensibles de la capitale ont été visés par des attaques terroristes, notamment les écoles de la gendarmerie à Faladje. Selon le document, la vive réaction des forces de défense et de sécurité a permis de repousser ces attaques. De son côté, l'état-major général des armées précise dans son communiqué qu'il s'agit d'un groupe de terroristes ayant tenté de s'infiltrer dans les locaux de l'école de gendarmerie de Faladje, tout en indiquant que les opérations de ratissage suivaient leur cours dans toute la zone. Aucun des deux communiqués n'a dressé un bilan pour l'instant. Par ailleurs, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le chef d'état-major général des armées invitent les populations à la vigilance, à l'esprit patriotique. Ils les exhortent à signaler aux forces de défense et de sécurité tout mouvement suspect ou fait digne d'intérêt. Aussi, les populations sont invitées à suivre les consignes des forces de sécurité, à éviter le secteur et à rester à l'écoute des informations officielles qui seront diffusées régulièrement. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rassure les populations que la situation est totalement sous contrôle et les invite à vaguer librement à leurs occupations.